Bonjour tout le monde. Esprit vient d'acquérir une station de calcul pour l'intelligence artificielle. C'est la DGX A100. Cette station de calcul, elle est dotée de 8 cœurs, 8 GPU, qui développent une capacité de calcul monstrueuse de 5 petaflops. 5 petaflops veut dire 5 millions de milliards d'opérations par seconde. Pourquoi cette capacité de calcul? C'est qu'en intelligence artificielle et l'essor de l'intelligence artificielle moderne, qu'on peut dater à partir à peu près de 2011, nécessite trois prérequis fondamentaux. Le premier, c'est des algorithmes performants. Le deuxième, c'est que à partir de 2010-2011, on est arrivé à une masse de données critique qui permet le développement de modèles. Et la troisième, c'est que ces algorithmes et ces données-là, sans une capacité de calcul, on ne peut pas les traiter. Donc, ça nous manquait, ça manquait même à l'écosystème des startups et de la recherche tunisienne, ce genre de capacité de calcul. Esprit vient de combler ce manque-là. Il y a des problèmes locaux en IA qu'on ne peut traiter qu'avec de l'intelligence artificielle locale. Il y a des maladies, par exemple, qui sont spécifiquement tunisiennes ou nord-africaines. Si on ne le fait pas, ce n'est pas les Suédois ou bien les Norvégiens qui vont le faire pour nous. Cette capacité de calcul va assurer ce qu'on appelle la souveraineté IA. C'est que les entreprises, les banques, les assurances, généralement, ne veulent pas que leurs données soient traitées sur le cloud. Avec l'avènement maintenant de cette station-là, c'est tout cette infrastructure, cet écosystème économique national peut nous confier et confier aux chercheurs tunisiens leurs données pour développer des solutions IA locales et assurer la souveraineté IA. Donc c'est un appel à tout cet écosystème. Venez chez nous à Esprit, on mettra à votre disposition nos compétences et notre expertise du domaine et aussi nos capacités de calcul. L'appel est lancé maintenant à vos idées, à vos startups, à vos modèles.